la vaisselle qui se lave toute seule? Très bien, je passe l'effet du logis. Oh. Allô, bureau de Marraine de la Bonne Fée, j'écoute. Un rendez-vous avec la Bonne Fée en personne? Pas avant 2035. Oui, le planning est archi complet jusque-là. Le 12 à 3h30 du matin? Très bien, je vous note. Donnez-moi votre nom. Ah, ne quittez pas. Allô, bureau de Marraine de la Bonne Fée, j'écoute. Ne quittez pas. Ah, mais c'est vous! Vous étiez venu m'interviewer! Oui, bonjour, c'était déjà moi. J'ai rendez-vous avec Madame la Bonne Fée pour l'interviewer à son tour. Oui, tout à fait. Je vous conduis, suivez-moi. Sept gouttes d'élixir d'arc-en-ciel. Quelques morceaux d'éclair. Marraine la Bonne Fée dans son laboratoire. Elle met au point une nouvelle formule, mais elle va vous recevoir. Ok. Une goutte de... Non. Une goutte, ce sera trop fort. Une demi-goutte d'extrait de fleurs de baobab jaune. Une perle de rosée. Marraine la Bonne Fée? Oui, Solène? C'est la journaliste pour l'interview. Interview? Ah oui, interview. Bonjour, bienvenue, entrez. Bonjour Marraine la Bonne Fée. Je termine une préparation délicate et après nous pourrons commencer. D'accord. C'est bien moi ça, j'en prépare toujours trop. Enfin, ça servira toujours. Que mettez-vous au point? Oh, eh bien, vous le verrez tout à l'heure. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Eh bien, vous avez des questions pour moi? Tout à fait. Mais d'abord, je dois vous remettre une missive de la part de Messire Godefroy de Montmirail. Godefroy, ce cher Godefroy, comment va-t-il? Il est bien arrivé? Oui, parce que je venais de le renvoyer à son époque. Il était encore perdu dans les couloirs du temps. Enfin, voyons cela. Chère marraine la Bonne Fée, je vous écris car je suis en grande détresse. Je vous écris car je suis en grande détresse. Votre enchantement n'a point fonctionné et je suis toujours bloqué au 21e siècle. Oh mais... Mais... C'est inimaginable! Solène! Oui, ma reine. Oh, eh bien, on dirait que l'enchantement pour faire revenir Godefroy à son époque n'a pas marché. Oh ! Solène ! Solène ! Tu sais très bien qu'à moi, on ne me cache rien ! Oh, non, ma reine ! Je sais très bien que tu es amoureuse de Godefroy. Moi ? Oh, non ! Et que tu falsifies mes formules pour l'empêcher de rentrer chez lui ! Oh, mais moi, mais non, jamais! Je mets. C'est que. Nous mais réglerons c'est... ceci tout à l'heure. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas fait exprès. Bon. Revenons à nos questions. Tout à fait. Les fans d'Il était une fois Made in France ont posé des questions sur Facebook et sur Instagram et... Oh, il y a deux petites breloques baguettes de fées, là, sur votre pendentif. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Oui. Oui, donc, je vous écoute. Alors, première question... Est-ce que, tout comme le génie d'Aladin, il y a des vœux qui vous sont interdits, impossibles d'exaucer,
Si oui, lesquels ? Chère Élise. Comment vous savez que c'est Élise qui a posé cette question ? Voyons, ma chère. Vous êtes en train d'interviewer ma reine la bonne fée. Je sais toujours tout par avance, y compris le contenu de vos questions. Je vais tout de même vous laisser me les poser. Je ne voudrais pas vous prendre votre travail. Il y a assez de chômage comme ça. Donc, chère Élise, vous l'avez deviné. Tout comme pour le bon génie d'Alada, il y a des souhaits qu'il m'est impossible d'exaucer. Déjà, étant une bonne fée, je m'interdis à moi-même de réaliser un vœu qui pourrait faire du mal. Moi non plus. Je ne peux pas ressusciter les morts. Et je refuse de contraindre les personnes. D'accord. Donc certains vœux vous sont impossibles ou interdits d'exaucer. Mais si vous deviez changer quelque chose de ce monde grâce à vos pouvoirs, quel serait l'objet de ce changement ? Eh bien, cher Jean, si je le pouvais... J'empêcherais les humains de retomber toujours dans les mêmes erreurs. Ceci éviterait, peut-être, la situation de chaos que vous connaissez actuellement. Mais, comme je viens de le dire, je refuse de contraindre les personnes et, de toute façon, on ne peut pas aider les gens s'ils ne commencent pas par s'aider eux-mêmes. Ceci répond également à la question numéro 9 de Sylvie. Vous pourrez retirer la fiche. D'accord. Alors, la question 9 qui était... Pouvez-vous remettre de l'ordre dans le chaos actuel? Ok, alors... Ma reine ! Ma reine la bonne fée ! Absolument est au plus mal ! Oh mon Dieu ! Vous voyez les effets des pesticides ? Vite, ma reine ! Un baiser de princesse. Allons, laisse-nous maintenant. Mademoiselle a encore des questions à me poser. Alors, à propos du monde des humains, Sophie vous dit que votre tenue est magnifique. Elle aimerait savoir s'il existe un défaut humain qui vous exaspère en particulier. Vous avez raison, chère Sophie. Les humains ont parfois quelques défauts qui sont un petit peu agaçants. L'égoïsme et la méchanceté me chagrinent particulièrement. Votre monde serait tellement plus joli avec un petit peu plus de bienveillance. Intéressons-nous maintenant à un humain en particulier. Godefroy de Montmirail est un homme qui aime se battre, boire, manger et chasser les Anglois hors de France. Selon vous, mérite-t-il d'avoir une bonne fée marraine qui veille sur lui? Tout d'abord, merci, cher Damien, pour votre fidélité à « Il était une fois Made in France », car vous posez très régulièrement des questions aux personnages. Oh, ce cher Godefroy, oui, il a quelques défauts, mais qui n'en a pas? Et par ailleurs, c'est un noble cœur et il est très attachant. Et croyez-moi, je compte mettre bon ordre à son égarement dans les couloirs du temps qui n'a que trop duré. Damien a aussi des questions sur vos pouvoirs. Quand décidez-vous que vous devez intervenir pour les gens? Êtes-vous seul décisionnaire de vos interventions? Ou y a-t-il quelqu'un de plus haut gradé dans votre hiérarchie féerique? Je suis seul décisionnaire de mes interventions. Mais toujours pour laisser aux humains leur liberté, je n'agis que si réellement nécessaire. Et êtes-vous en rivalité avec Maléfique? Mais non, je ne suis pas en rivalité avec Maléfique. Je déplore qu'une fée aussi douée et brillante qu'elle se soit mise au service des forces du mal. Mais je me garde bien de la juger.
Qui sait, peut-être a-t-elle des circonstances atténuantes. Peut-être a-t-elle été trahie. Peut-être s'est-elle laissée gagner par l'amertume. Marraine la bonne fée! Les craintes que nourrit Maléfique ont envahi la ville de Tremblay les Frousses. Faites livrer 25 palettes de ma poudre de sérénité à la ville de Tremblay les Frousses. À renouveler si nécessaire. Bien, marraine. Eh bien, que de péripéties alors? Dernièrement, nous avons appris comment l'elfe est devenu votre élève et son apprentissage à l'école des elfes et des fées. Mais vous, comment avez-vous réussi à devenir marraine en chef, soit le plus haut grade des fées? Eh bien, voyez-vous, je suis née en même temps que le Big Bang. Oui, je sais, ça ne se voit pas, mais c'est ainsi. J'ai donc bénéficié d'une énergie phénoménale. Ainsi, mes pouvoirs m'ont été donnés dès ma naissance. Je n'ai fait que les découvrir, petit à petit. Je n'ai pas eu de maître de magie, cher Damien. Je me suis librement mise au service du bien. Je suis autodidacte. Ceci répond à la question 7 de Damien. Vous pourrez également ranger la fiche. J'en suis où alors? C'est celle-là. Marraine la bonne fée! Les batraciens de la forêt enchantée nous envoient un appel de détresse. Des braconniers se sont emparés de la ville et veulent les chasser. Envoyez Londine, elle saura très bien résoudre ce problème aquatique. Et qu'on ne me dérange plus, je suis en interview. Oui, marraine la bonne fée. Eh bien, c'est tout le temps comme ça? Non, c'est calme aujourd'hui. Ah bon? Question 9, ah mais non, c'est vrai, vous y avez déjà répondu. Alors, la 10, c'est une question d'un fan du Japon. Toutes les fées marraines sont-elles aussi époustouflantes que vous? Merci, cher Tony, pour votre compliment. Oh, époustouflante, je ne sais pas, mais... Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de fées marraines qui veillent sur le monde, et elles sont toutes très compétentes. Et heureusement, parce que si j'étais la seule, je n'y suffirais pas. Et maintenant, pouvez-vous nous dire un mot à propos de l'histoire de Cendrillon? Il en existe plusieurs versions, quelle est la bonne? Merci, cher Xavier, pour cette question très intéressante. Cendrillon est un conte très ancien. Il en existe déjà des versions dans l'Antiquité. Toutes les histoires sont de bonnes histoires, aucune n'est fausse. Il y a eu beaucoup de Cendrillons différentes, et même des Cendrillons masculins. Oh, si, si! Mais laissez-moi maintenant vous dire un mot à propos de la pantoufle perdue par nombre de mes filleuls. Dans certains contes, vous trouverez que la pantoufle de verre s'écrit V-A-I-R. Mais qu'est-ce donc que ce verre V-A-I-R, me demanderez-vous? Eh bien, c'est une fourrure. Et oui, à une époque, c'était la mode d'en doubler les chaussures. Quelle horreur! Mais pour les fées telles que nous, rien de plus simple que de fabriquer une pantoufle de verre, V-E-2-R-E, qui soit à la fois incassable et confortable. Et puis le verre, c'est joli, ça brille, c'est transparent. Et ça ne fait pas de mal aux animaux. C'est vegan! Dans certains contes, on trouve même des pantoufles en or, en argent. Mais dernièrement, j'ai mis ma version au point. Une pantoufle en satin, qui peut être de toutes les couleurs, et entièrement constellée de cristal. Oh, c'est ravissant. Je vous recommande cette version. Elle est sur chérieetdandy.com. Et depuis que j'ai cédé mes droits de cette invention à Chérie et Dandy, eh bien, il la réalise entièrement à la main. C'est tellement plus précieux que par un simple coup de baguette magique. Vous ne trouvez pas? Ah oui, j'en veux une. C'est prêt.
eh bien, mais ça m'a l'air parfait, ça. Voyons cela. Vous voulez goûter? Non, merci. C'est bon. Et alors, que va-t-il se passer? Eh bien, mais... ça. Mais où elle est passée? Ma reine? Ma reine? Ma reine! Oh! Solène? Mais elle est partie! Mais j'ai même pas eu le temps de lui demander qui elle désigne pour la prochaine interview! Bah, elle vous a laissé un mot! Pour la prochaine interview, je désigne ma filleule Cendrillon. Oh, trop forte, marraine la bonne fée!